Aujourd'hui est un grand jour, les enfants. Venez nombreux. Votre cirque préféré vous propose un nouveau spectacle exceptionnel. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? On n'aura jamais d'autre occasion comme celle-là. On ne va même pas payer les billets d'entrée. Si t'as l'intention de changer d'avis, c'est trop tard. Nous y allons, et toutes les trois ensemble. Je ne peux pas dire que j'aime les cirques, en réalité. La division Double Delta a de mauvaises intentions et doit être éliminée. Je sais ce que vous pensez. La plupart d'entre vous ne croient même pas en son existence. Je le sens. Ouvrez les yeux, parce qu'elle existe bien. L'Institut des sciences n'est pas conscient qu'il est secrètement sous le contrôle de division Double Delta. Non seulement l'Institut court un danger, mais c'est aussi l'humanité qui est en péril. Et ce ne sont pas les seuls à être contrôlés par la division Double Delta. Est-ce que tu crois qu'on devrait en parler? Je ne sais pas vraiment. Papa ne l'a pas fait, en tout cas. Tom, ton père a dit et insisté très clairement sur le fait que le sort de l'humanité était en jeu. Eh bien, Tom, il y a déjà les Dinofrost pour sauver l'humanité. Je veux dire nous... Je veux dire vous. Le cirque va rester en ville une journée de plus. Alors désolé, mais pour le moment, tu es encore parmi nous, John. En plus, on est sur le point de percer le mystère de cette division Double Delta. La prophétie révélée ne s'est pas encore réalisée et elle ne se réalisera jamais. Parce que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que notre glorieuse race des dragons perdure pour toujours. Victoire éternelle à la race invincible des dragons. La porte du temps, ce sera notre arme secrète pour renverser le destin écrit dans la prophétie. Trouvez-la! Nous avons passé toute la forêt tropicale au peigne fin, Seigneur. Si c'était vrai, Général Comrax, tu ne serais pas revenu ici les mains vides. Vous avez raison, comme toujours. Retourne là-bas et cherche mieux cette fois, Général. Si le Général Trick y allait aussi souvent, c'est pour une bonne raison. La porte du temps est forcément cachée dans la forêt tropicale. Grâce à l'énergie du Rockfroze, les Dinofroze arrivent à déplacer la porte du temps, ce qui la rend plus difficile à trouver. Mais ce n'est pas une excuse valable. Retournez-y et trouvez-la. Nous ne vous décevrons pas, Seigneur. Franchement, je ne comprends pas pourquoi James perdrait son temps à combattre cette mystérieuse double Delta Division. Attendez, vous aussi, vous pensez qu'elle n'existe pas? Selon toute vraisemblance, il ne s'agirait que d'une simple théorie. Mais le père de Tom y croyait, lui. Professeur, ce sont peut-être eux qui ont volé le fossile de dragon. Je vous répète que la double Delta Division n'existe pas. Hein? Écoutez-moi bien, les enfants. Tom, ton père et moi avions l'habitude de parler de mythes divers, tels que les Martiens, les licornes et les sirènes. Ce ne sont que des contes de fées, tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Un peu comme les dragons, mais mon père a démontré le contraire. Oui, Tom, c'est vrai. Je vois où tu veux en venir, mais... Professeur Warnell, et si je vous disais qu'à une époque lointaine, les dragons dominaient la Terre, et que mon père avait voyagé dans le passé pour combattre Nesseron, le terrible seigneur des dragons, vous appelleriez ça un conte de fées? Tom, c'est ton père qui t'a raconté de telles histoires? Tu sais, Tom, à mon avis, je crois que ton père... Comment dire? Eh bien, je crois que, de temps en temps, ton père s'enthousiasmait vraiment pour rien. Enfin, voilà ce que je veux dire. Oui, professeur, vous avez peut-être raison. Ce ne sont que des inventions. Désolé de vous avoir dérangé et merci encore. Il n'y a pas de problème. Reviens me voir quand tu veux. Au revoir, professeur. Au revoir. Nous allons devoir jouer ici. Tu as pris ta toupie avec toi, n'est-ce pas? Écoute, Tom, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour moi d'y aller. Mais pourquoi tu dis ça, John? Parce que vous allez devoir vous habituer à vous battre sans moi. Le moment venu, on affrontera le problème, mais pas aujourd'hui. De toute façon, cette fois-ci, ce sera peut-être toi le maître du jeu. Eric, que dit la carte? Depuis que nous avons commencé le voyage dans le passé, nous avons trouvé des fragments de Rockfroze dans chaque zone du jeu. Apparemment, la prochaine zone à explorer est le cimetière des dragons.
Tu as bien dit le cimetière des dragons. Où est le problème, brave guerrier? Tu préfères rester ici? Écoutez, les gars, on n'a pas vraiment le choix. Il faut y aller. Ouais. Va dans le passé et gagne dans le futur. Vas-y, T-Rex. Smilodon. Allez. Allez. Triceratops, c'est toi le maître du jeu. Ah! Bob est content. Il n'aura pas à aller au cimetière des dragons. Que la quête du Rock Frost commence maintenant! C'est incroyable qu'on ait réussi à chasser les dragons de la gueule du requin. Les arbres recommencent à fleurir et l'eau est suffisamment pure pour être potable. Hein? Regardez là-bas. Oh. Hein. Ce territoire semble être sous le contrôle des hommes. Un jour, la Terre entière sera sous le contrôle des hommes. C'est seulement là que notre mission sera accomplie. Allez, mettons-nous en marche, Dinofroze. Le cimetière des dragons nous attend. C'est parti! Bienvenue, Dinofroze. Prêt pour la suite? Content de vous revoir, Shaman. Nous nous dirigeons vers le cimetière des dragons. Alors, vous êtes sur la bonne voie pour trouver le prochain fragment de Rockfroze. Pour tout vous dire, les gars, je n'aime pas trop ces marécages. Ce n'est pas l'idéal pour des garçons de la ville comme nous. Ceci n'est qu'un petit désagrément. Une fois que vous aurez traversé le marécage, prenez le chemin menant au fragment, mais dépêchez-vous. Une équipe de dragons menée par le général Cobrax a été aperçue non loin d'ici. Comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas, les gars? Tom, fais attention en te transformant, parce que Kaira t'a vu te transformer en T-Rex. Je ne suis pas tellement surpris. Allez, préparez vos toupies, les amis. Elle sait que je lui ai menti pendant tout ce temps. Quand nous aurons fini, j'irai la trouver pour lui parler. Mauvaise idée. Tu n'as pas entendu qu'on allait recevoir de la visite ? Quand les circonstances le permettront, tu auras une explication avec elle, mais pour l'instant, tu dois te concentrer sur ta mission. Dinofroze Evolution! Séparons-nous. Je vais finir de patrouiller au nord. Pendant ce temps, vous, dirigez-vous... Vers le sud. T'aimes toujours donner des ordres. Excuse-moi? Je suis sûr que tu as très bien compris ce que j'ai dit. Non, franchement, je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu es peut-être le préféré de Nesseron parce que tu as réglé le problème avec Trick, mais ce n'est pas pour ça que tu dois te croire supérieur à moi.
Tu te trompes sur toute la ligne. Arrête de faire comme si c'était toi le chef. Je vais vers le sud, mais pas parce que c'est toi qui l'as décidé. Je sens que la chance sera de mon côté cette fois. Le sommeil est bénéfique. Ça a marché. Le chaman avait raison. Je suis en vie. Je suis en vie. Bonjour. Justement, nous vous attendions, mes amis et moi. Où étiez-vous passé? Ne me dites pas que vous vous êtes perdu sur la route. Le plus important, c'est qu'on vous ait retrouvé, dit Dinofras. Ils croient peut-être qu'ils nous font peur. C'est un jeu d'enfant. Chargez ! Ok, c'est à mon tour maintenant. Il est temps de mettre un peu d'ambiance dans cette fête. Armure empoisonnée, du T-Rex et du Ptérodactyle. Poison mortel. Mal visé. Essaie encore. Prends ça ! Et ça aussi ! Ces baies rouges m'ont plongé dans un long et profond sommeil. Mais combien de temps suis-je resté inconscient? Des semaines, peut-être des mois. Je dois me réhabituer à la lumière du soleil, j'ai très soif. Prépare-toi à mourir, Tyrannosaurus. C'est toi qui vas prendre ça! Faites vos rêves! Les gars ont encore besoin de moi. Oh! Où est-il? Où est-il? Ah, le voilà! Pouvoir du Rock Frost! Couverture d'eau! Destruction ardente! Grâce à Bob, ça n'a aucun effet sur moi! Cauchemar de dragon! John a besoin de notre aide! Je m'occuperai du général Cobrax plus tard! John, tiens bon! Il faut que je rentre chez moi, que je recouvre mes forces. Mais où est la porte du temps? Hein? Oh. Les dragons patrouillent, pourquoi? Hein? Dragon, je n'ai pas peur. Hein? Qui es-tu? Tu voles, je vole. Si on réglait ça avec un combat en règle dans les airs, hein? Continue de te débattre jusqu'à ce que tes amis arrivent. Fais-le, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis sûr que je peux battre ce dragon, mais je ne peux pas prendre le risque de blesser John. Pouvoir du Rock Frost, griffe lacérante. Encore une fois, merci au maître du jeu.
Delia n'a aucune chance contre Mélan. Tu es James, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Mais comment sais-tu mon nom? Ah, même cheveux, même yeux, même visage que Tom. Tom? Tu connais mon fils? Oh. Non, tu es beaucoup trop fatigué. Oh, et tu as une forte fièvre. Pas d'énergie dans ton cœur. Tom est en danger. Il faut que je sauve Tom. Il faut que je sauve Tom. Tom est fort. Tom est plus fort qu'un dragon. Maintenant, James a besoin de soins. James, allez au village avec Hera. Reste ici. La porte du temps n'attendra pas. La porte du temps me ramènera chez moi. Je dois rentrer chez moi. Hurlement de feu! Manqué! Fais-moi signe quand tu en as marre, Cobrax! Quand je t'aurai, tout ce qui sortira de ta bouche sera des cris de douleur. Tu vas devoir m'attraper d'abord! Là, l'éclipse est proche! Il faut que je fasse vite! Il est temps d'arrêter ce petit jeu pour aujourd'hui. Attaque Rock Froze, boule de feu destructrice! Ah, super, Bob! Juste à temps! Ah. Où es-tu, Dino Froze? Reviens te battre! Ah, je suis ici! Il est temps de rentrer chez nous, pile à l'heure pour le spectacle! La porte du temps est un secret beaucoup trop grand à garder pour un petit être comme toi. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ne joue pas au plus malin avec moi. Je ne supporte pas les mensonges, tu as compris? Espèce d'inconscient, qu'est-ce qui te fait croire que tu as une chance de m'échapper? James! J'espère que tu vas bien te comporter parce que l'avenir de ce siècle est entre tes mains. Désolé, j'ai oublié que tu n'avais pas de main. L'avenir est dans ta trompe. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous vous présentons un numéro très spécial. Le prince des animaux. Et je ne parle pas du tigre, non. Le roi de notre cirque. Et je ne fais pas non plus allusion au lion, non. Le plus majestueux de tous les animaux du cirque. Mesdames et messieurs, je vous présente Léopold. Dans ce numéro spécial, notre éléphant bien-aimé Léopold sera entouré de trois jeunes filles exceptionnelles. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Yaya, Alice et Sveva. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Vous arrivez au bon moment. Léopold. Ah.
j'ai peur. Vas-y, Yaya, tu peux le faire. Vas-y, aie confiance en toi. On les applaudit bien fort. Oui, entrez. Je peux me joindre à vous, les filles? Vous avez été super. Merci, John. Vraiment exceptionnel. Un numéro formidable. Maintenant, dis-moi la vérité. Vous avez déjà travaillé dans un cirque dans une vie antérieure? Non, mais on pratique la gymnastique depuis l'âge de 5 ans. Eh bien, si vous voulez changer de métier, vous avez un avenir assuré dans le cirque. Et j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Le directeur du cirque aimerait savoir si vous vouliez continuer le numéro le temps que Frank puisse reprendre le travail. Si vous acceptez, le cirque pourra rester à Rockton encore un peu. Et si le cirque reste en ville, ça veut dire que toi aussi. C'est d'accord. Je suis si contente. Donnez-lui de l'eau et de la nourriture. Guérissez-le. Je veux qu'il soit en parfaite santé. Quand cet homme du futur pourra parler, nous trouverons enfin la porte du temps et la victoire sera à nous. Bon travail, Général Vlad. Je n'ai fait que mon devoir, Seigneur Nesserrand. Regarde-le. Vlad est tellement égoïste. Nesserrand nous insulte en le couvrant d'honneur. Ne perdons pas plus de temps. Nous devons unir nos forces, Kobrax. Il nous faut absolument éliminer ce gêneur. Ce satané général Vlad, le préféré de Nesserrand.